Donc je vous disais comme ça que ici c'est le terminé des sorciers. Amen. Amen. Amen les petits. Oui, ils ont trop ma parole. Amen. Ils ont fait des sorciers. C'est vrai, les sorciers, c'est pas amusement. Mais la Bible dit qu'il y a une fin en toutes choses. Vous savez, il y a toujours une fin en toutes choses. Dieu ne peut pas que vous voyez que je suis en train de m'emmerder sur le Skype. C'est la journée du Skype. Donc je disais tout à l'heure que tous les mercredis sont faits pour les rendez-vous sur Skype. Donc nous sommes en train d'améliorer nos programmes. Je suis à la maison, je commence à la maison, je viens le soir terminer. Mais c'est de 9h jusqu'à 21h. De 9h jusqu'à 21h. J'ai fait la délivrance de quelqu'un, ce qui m'a beaucoup marqué tout à l'heure sur, au Burkina, la personne de Tawaga. Pendant que je parlais avec elle, la personne a déchiré ses vêtements. Je pensais que c'était amusement. Et je vois la personne a crié, ah, puis le portable s'est cassé. Ouais, le portable s'est cassé. Et puis, chose merveilleuse, c'est que j'ai commencé à prier pour quelqu'un à Paris. Une personne à Paris, et je n'ai même pas dit le nom des gens parce que c'est leur vie privée. J'ai commencé à prier pour une personne qui avait des sombres tout à l'heure, dans les sombres, parce que je prépare, moi je prépare toujours mes rencontres sur le plan spirituel. La personne ne peut pas uriner, donc elle avait des sombres, par la grâce de Dieu. J'ai commencé à prier pour elle sur le Skype, et puis Dieu s'est puissamment manifesté. J'ai dit à la personne, lève-toi, enlève les sombres, la personne a levé, et j'ai dit, va pisser. Quand la personne a pissé la vie du sang, elle a commencé à pleurer dans la douche. Je lui ai demandé de revenir. Elle est venue s'asseoir, j'ai commencé à prier. Quand elle est repartie, elle a pissé normalement. Demain, on a un rendez-vous pour qu'on appelle vérifier ou bien pour la confirmation de la délivrance. Donc, c'est la chose qui prend assez de temps. Ici, il faut s'occuper de la Côte d'Ivoire. Ici, il faut s'occuper de l'Afrique. Donc, je suis en train de décentraliser le travail. Il faut s'occuper de l'Afrique, il faut s'occuper, parce que nous sommes écoutés dans 68 pays, dans le monde entier. Il y a même les Arabes qui sont rentrés dans notre affaire. Il y a les Asiatiques, les Japonais. J'ai parlé avec une Japonaise aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Les gens souffrent. Quand tu les entends parler, moi, ça me galvanise, ça me donne plus de force de persévérer, de continuer dans mon travail. Parce que pour moi, c'est une manière de lutter comme ça, parce que j'ai été terriblement touché par la sorcellerie. Mes parents, tout le monde s'est dissimulé aujourd'hui. Je n'ai plus de parents parce que les sorciers ont mangé. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont fait braiser, ils ont fait sauce arachide, ils ont fait koala, ils ont fait sauce grêle, ils ont fait sauce pistache. Ils ont mangé ce qu'ils pouvaient manger. Et c'est moi, ils ont commencé à prendre. Ils avaient voulu manger à Kouissi. Puis Jésus m'a délivré. Amen. Les bananes braisées, chez nous on appelle ça petit débit, c'est bananes braisées, ils m'attendaient pour me braiser, et puis Jésus-Christ m'a délivré. Donc pour moi, je suis révolté, il y a une autre manière d'être révolté contre ça, c'est de combattre le fléau, le phénomène qu'on appelle la sorcellerie. Donc moi, c'est ma manière de me révolter contre ça. C'est vrai que je ne tue pas, au départ, j'avais une autre manière de voir la sorcellerie. Dans les débuts, j'avais une autre manière de voir la sorcellerie, c'est quand j'ai été affranchi par Jésus, que j'ai connu par comprendre que les gens même sont possédés. Voilà, sont possédés par les esprits, il faut les délivrer. Donc, moi, aujourd'hui, je peux prendre un sorcier comme ça, sans problème. Je peux même le défendre dans un village. Les choses bizarres, c'est que l'Église nous enseigne comment les tuer. L'Église nous a toujours enseigné. L'Église nous enseigne comment tuer les gens. Il est sorcier, il faut couper à lui. Ta maman est sorcière, ne parle plus avec elle. Ton papa est sorcier, ne l'envoie plus l'argent. Maman est sorcière. Non, on ne le dit pas. Parce que même s'ils sont sorciers, c'est eux qui nous ont engendrés. Maintenant, si toi tu as la vérité, comment faire pour les délivrer? Il faut les aider. Et c'est ce qu'il dit aux gens. Nous savons bien, moi j'essaie bien de tuer ça aussi. Vos histoires de non, vous les envoyez le dossier. Amenez-moi le dossier, vous allez voir. S'ils vont continuer de faire sorcellerie, s'ils continuent, je le mets au pas. J'ai toutes les actions prophétiques. J'ai toute la connaissance spirituelle pour terrasser le sorcier. Je continue d'apprendre les choses que Dieu me montre. Mais pour moi, l'homme même malgré sa sorcellerie, la personne a besoin de Dieu. Voilà, donc moi, je ne mets pas dans premier lieu tuerie. C'est quand ils mènent dans le village que je les provoque. J'ai une manière de les provoquer. Quand ils viennent chez moi, je les terrasse tous. Parce que les sorciers n'aiment pas aller quand ils sont sur leur territoire. Non, lui, là, il dit non, il m'envoie un message, non. Si tu ne viens pas, les sorciers, on dit que tu n'as pas venu. Moi, je vais venir. C'est vous qui n'êtes pas prêts. Moi, je suis là pour vous enseigner que Dieu, là, a son histoire. On joue pas ça. Il dit malheur, soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, il y a une malédiction aussi à négligence.
Donc je ne veux pas faire partie de cette malédiction. Je ne veux pas que ça m'accompagne. C'est pour cela que quand ça fait de Dieu, vous ne jouez pas avec ça. Amen. Je vous assure, quand vous voulez servir Dieu, servez-le honnêtement et sincèrement. Ne jouez pas avec ça. Et je disais comme ça tout à l'heure, parce que ceux qui devaient partir avec Dieu, je dis, moi, quand il dit démon sort, il sort. Parce que quand il s'agit de l'œil de Dieu, je ne m'amuse pas à ça. Amen. Voilà, donc vous êtes à la brigade anti-sorcier. Dieu, il est puissamment là. Amen. Ici, il faut être patient. C'est ça votre problème. Soyez patient. Parce que quand vous venez là, les démons, ils n'entrent pas à vous. Hein. Ils sont là, ils vous regardent. Ils se disent, ah, ma viande là, je suis en train de rater ma viande. Et, ils ont mis marmite au feu, ils veulent te manger. Donc pour eux, où ils ont déjà mangé, qu'on doit aller prendre dans l'estomac tes morceaux de viande, puis te mettre ensemble. Amen. Voilà, Jean, voici un peu le combat que nous menons. Quand vous revenez ici, Dieu vous délivre. On a délivré beaucoup de personnes. Je crois la petite fille sorcière, elle est partie à Zaroko. Ah ouais. Ah. Elle est toute folle. Mais oui, on a calé à Mortagne. Faites-la venir. Donc ici, c'est comme ça. Elle a voulu jouer à faire de Dieu. Là. On lui demande de parler. Elle dit, elle a fini de parler. Elle va réfléchir. Tu es sorcier, oui. Mais je vais réfléchir, je ne sais pas. Donc, à ma grande surprise, notre huile simple. Là. Notre huile, là. C'est ça que ceux de Paris, vous qui êtes de la diaspora, ne jouez pas ça. Quand vous prenez, en même temps, pour nous, nous sommes des hommes de délivrance. Rentrez en contact avec Maman Naomi, nous allons organiser les délivrances sur Skype. Parce que aujourd'hui, Dieu m'a puissamment utilisé. Je rends témoignage pathétique d'un démon terrible. Au Burkina, j'ai attaqué. Et puis, une personne qui a été guérie de la prostase. Tout ça, elle a été opérée deux fois. Elle a été guérie sur le stade. En direct, elle ne faisait pas pipi. Elle faisait ça dans les sondes. Elle faisait dans les sondes. Dieu, il a l'œuvre. C'est pour ça que je le sers. Elle faisait dans les sondes. J'ai reçu plus de 30 personnes aujourd'hui. Hein. Voilà, j'ai reçu 30 personnes. Là, voici. Là. Si je ne sais pas où on va en viande, c'est lente image. Ça va? Hein? Ah. Y a quoi? Y a quoi? André Banga, sans monter calé. Vous connaissez Banga, la voiture Banga. Tant qu'il n'y a pas calé là, ça ne s'arrête pas. Elle est sur ma Banga. Les Banga qui vont avoir beaucoup de là. Banga, mettez calé. Ça va? Vous avez Banga décollé par terre. Ça va? Hein? On dit quoi? Je vous ai pas dit. On dit quoi? Vous aimez bien de l'homme. Viande de l'homme. C'est ça qui vous intéresse. Il y a viande de bœuf. C'est moins cher. Au marché, vous carrément ça? Le boucher Boukari va te servir. Tu viens, tu prépares sauce tomate. Tu manges un gâté. Mais tu guettes l'homme la nuit, André, c'est abouti. Tu mets brûler l'homme la nuit, tu le tues. Tu es sorcier. Hein? Tu es sorcier. Laissez la haie. Je t'ai pas dit de le compléter. Laissez-la compléter. Oui, tu es quoi? Dieu te dit faut parler. Non, elle a oublié. Voyez ça, vous avez entendu. Qu'elle venait essayer de danser fort, elle est chaude. Je l'ai regardé quand j'ai dit toi. Elle verse une assiette. Pourtant, c'est dangereux. Lui, là, ça guérit. Lui, là, ça délivre. Mais en même temps, si tu fais la sorcellerie, ça te terrasse. Elle a commencé à devenir folle. Nous, on est arrivé du Maroc. Et puis, voici qu'on est devenu. Tu es sorcière. Chaque jour, je t'appelle à cause de l'amour que j'ai pour les âmes.
Sinon, s'il y a d'autres pasteurs là, il y a longtemps, ils t'ont tué. Si les pasteurs disent, oui, sorcier, Dieu en train de tuer sorcier, ah, elle est là-bas. Elle va mourir. Mais moi, il y a l'amour des âmes. Chaque jour que je viens ici, je demande ta situation, si ça s'améliore. En ce qui concerne ta maladie, je ne suis pas là-bas, c'est Dieu qui t'a frappé. Dieu sait pourquoi t'as frappé. Bah, tu as trop mangé, tu es trop rassasié. Tu as fait sauce pour là, sauce arachide, d'abou, tôt. Tu as mangé à poumé. À poumé, ça, c'est mangé sur Togo. Elle allait manger à poumé. Ils l'ont vu en France. Il y a un petit sorcier, on a délivré. Il dit, mais il a vu celle-là. C'est pas ça, madame. Viens ici, il dit la vie, puis il a dit comment les membres de sa famille. Moi-même, je l'ai vu depuis Haïti. C'est à cause d'elle-même, monsieur. Non, c'est pas dans la vidéo. Ah, ok. Non, c'est pas. Le petit a vu en sorcellerie. C'est vrai qu'il dit Haïti derrière, il dit ah. Haïti. Il dit Haïti, ah. Haïti a attrapé la. Ouais, bonne arrivée. Merci. Oui, c'est pas Haïti ou dans la vidéo, non. Dans France, bébé, nous en français, il va rendre bébé, il a dit la vie. Ils se sont vus là-bas. C'est pas ce que l'enfant dit. L'enfant dit quoi? Il dit la vie là-bas. Ah ouais. Ils ont fait quoi? C'est réunion. Réunion pourquoi? Pour sortir. Ah, vous comprenez. Elle quitte ici la nuit. Ils ont dit ça. Pour aller tuer l'homme. Elle a paru, le petit l'a reconnu. Il la connaissait là. Elle, son chéri, il a dit quelques membres de sa famille, le nom des membres de sa famille. Il a vu la fille là-bas. Ils se connaissent. Ils sont là en France. À cause de manger l'eau, on peut être en France. Vous comprenez? Et le aller en France, là, c'est pour gâter. Vous comprenez? Amen. Moi, tant que j'aurai le souffle de vie, je combat sur 5 ans fatigué. Fatigué. Je peux m'amuser, moi je ne joue pas, je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas, ils ne disent rien. Parce que je crois à la puissance de Jésus. La puissance de Jésus est au-dessus du pouvoir du diable. Le diable ne peut rien devant la force de Jésus. C'est pour cela que nous, on a commencé à vous enseigner sur le pouvoir de Jésus. Ayez l'onction, vous allez affronter le diable. Ayez l'onction. Ce n'est pas une question de crasso. Mais je sais ce qui est en moi. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le diable. Ah non, le monsieur il est fort. C'est pas une question, j'ai dit le monsieur est fort. C'est une question, le monsieur a Jésus, il y a le pouvoir de Dieu. Et quand on a le Dieu, le diable ne peut rien contre nous. Ça va, madame? Tu es sorcière. Elle parlait bien. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Tu tues l'homme. Toi-même là, c'est quatre, c'est titre de séjour à te donner pour la Mauritanie. Elle, c'est une Mauritanie. Vous connaissez Mauritanie? C'est les gens qui sont morts là. Nous, on appelle ça Mauritanie. Elle va partir là-bas. Elle a son vol spécial. D'abord, là, on est cinq jets. Tu ne vas pas être quelqu'un, tu es seul dedans. Dans l'avion, là, quand tu descends en Mauritanie, ta villa est spéciale. Tu es seul dedans. Ça va? Hein? C'est comme ça ici. Tu souffres jusqu'à. Ben, c'est pas un musulman. Dieu dit arrête. Arrête. On a vu à Saroko une dame, elle ne veut pas arrêter. Elle veut sorcellerie. Elle s'est dégradée jusqu'à la mort. Et non, c'est comme ça ici. Le châtiment de Dieu, c'est pas un musulman. C'est pas guénant, il va te frapper pour que tu vas mourir. Non, tu te dégrades et puis tu meurs. Pour les sorciers, là. Cette année, là, il va m'amuser. Je vais pas vous louper. Je vais pas vous louper. Ben, il y a des grands, des bras valides. Aujourd'hui, la cour des sorciers, on appelle nos valeurs. Les grands gens, les gens, ils ont des grands diplômes, ils sont fermés là-bas, ils ne peuvent plus venir. Ils ont peur. Ils sont tous fermés là-bas à cause de sorcellerie. Vous les mangez, vous mangez, vous mangez, vous les rassasiez, vous ne vous arrêtez pas, vous mangez chaque jour, chaque jour. L'homme n'est pas fait pour manger. Et puis c'est des emmerdeurs, si vous avez des sorciers avec vous, ils vont vous emmerder jusqu'à vous tuer. Ils vont bloquer ton argent,
Ils vont bloquer tout et puis te tuer après. C'est ça. Amen. Donc, si vous venez ici, soyez patient. Amen. C'est ça. Quand vous venez ici, ne faites pas vos... Venez, faites vos programmes en fonction d'ici. Parce que sinon, on ne regardera pas vos temps. On vous donnera le programme du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que quand tu viens ici, il faut te libérer. Et non, moi, j'ai toujours dit aux gens, avant de venir ici, de prendre votre avion, appelez-moi, comme ça, je puisse vraiment m'organiser à vous recevoir. Parce que ce n'est pas facile un séjour. Hein. Quitter Abidjan pour être à Divo, c'est déjà quelque chose, c'est le transport. Et en même temps, il y a des réalités, s'il y a le séjour, c'est-à-dire la nourriture, il y a l'hébergement et tout ça. Donc, si je suis au courant de votre arrivée, c'est pour ça qu'insister, pour ceux qui sont à l'étranger, insister, entrer en contact avec le prophète. J'aimerais entrer en contact avec le prophète. Voilà, tout ça. Donc, quand vous mettez en contact avec moi, je prends le temps de régler certaines choses. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. Ça va? Ok. Je vais aller travailler sur le Skype parce que c'est comme ça. De plus, on va m'emmerder. Aujourd'hui, j'ai reçu encore plus de monde. Sinon, tous les lundis, c'est plus de 15 personnes que je vois le bruit du Skype. C'est-à-dire qu'ils sont en train de m'attendre. Le Skype, c'est pour ceux qui connaissent. Tu es en France, je suis là en Côte d'Ivoire, puis je vois, et puis on parle. Voilà, c'est ça le Skype. On a commencé à recevoir les gens. Depuis un moment, on avait arrêté tout ça parce qu'on était tellement pris, il fallait s'organiser. Donc, on a commencé à s'organiser. C'est une nouvelle année. Donc, prenez votre mal à patience. Le pasteur vous a reçu par la grâce de Dieu. Moi, je commence à travailler demain. Le temps de finir avec les dossiers de la diaspora. Parce que eux, vous les mangez beaucoup. Les gens les mangent beaucoup. Et quand ils viennent aussi, les malins. Les malins, ils sont ceux qui vont filmer tout. Ils sont là, on compare d'eux. Nous, on les appelle les benguis. Ou bien les benguis, là, ils font les malins. Ils vont chacobiner un peu. C'est là, sorcier aime ça. Ça rend des biches blanches. Des biches. Un foufou. Biche blanche, un foufou. Sorcier te prend, ce qui va te montrer un foufou, c'est rapide. C'est-à-dire, il ne veut même pas inviter son camarade. Les benguis, les font malin. C'est eux-mêmes. On dit, non, il est quitté en France. Il fait le tour du village. Hein? Il est en France. Viens, ça va, ma voix. C'est fini. Il a mis une caméra sur toi. Quand tu vas en France, tu tombes en même temps, ton pied se casse un peu. Tu peux t'attendre. On te donne maladie. Maladie là, tu commences à grossir. On dit, ah, il commence, ses pieds commencent à s'enfler. Il est en train de te pomper pour que tu pèses. Tu as 50 kilos, non? Tu vas commencer à avoir 80 kilos. Elle dit, bon, ok, maintenant on peut le manger. Je n'ai pas le manger, c'est pour qu'on le distribue à tout le monde du village. D'autres mangent. Amen. Amen. Voilà, donc c'est pour ça que quand, par moment, quand vous venez aller au village, soyez très prudent. Entrez en contact avec des hommes spirituels. Dans la vie, on a toujours besoin d'aide. Ayez des guides spirituels. Et des conseillers spirituels. Malheureusement, aujourd'hui, les pasteurs de la France découragent les gens. Ne partez pas en Côte d'Ivoire ou même en Afrique parce qu'on va vous tuer. Mais c'est vrai. Même si on doit vous tuer, ils ne connaissent pas la sorcellerie. Ils ne savent pas que les sorciers voyagent comme Awa. On la voit là-bas en France. Et ils ont leur avion. Ils n'ont pas le temps d'aller prendre Corsair ou Air Afrique. Aska. Aska ne va pas en France. Air France. Air Bruxelles. Mais ils prennent, eux, ils ont un avion. Dès qu'ils sont déjà en France, toi, tu es là, tu te caches, tu changes de téléphone, ils t'ont déjà vu. Et c'est ce que je suis allé faire aujourd'hui, hier, à Ondoussi. Je suis allé détruire les fréquences. Vous savez, quand vous nous invitez dans le village, c'est intéressant. Parce que eux, quand ils invitent de t'avoir, qu'ils n'ont pas la possibilité de t'avoir, ils vont dans ton village. Parce que tu es connecté, c'est comme. Si tu veux, je prends l'appareil qui produit les ondes. Dimanche, j'ai expliqué. J'ai dit, quand vous avez le canal, il y a ce qu'on appelle le décodeur. Le décodeur est là, et puis il y a l'antenne. Quand on place l'antenne, on prend le décodeur. C'est l'antenne qui fournit la fréquence dans le décodeur, et puis le décodeur alimente la télé. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent avoir des fréquences, puisque tu es connecté. C'est comme la radio, c'est des fréquences. Il y a fréquence 2, il y a la chaîne nationale, il y a radio de base du Sud Mandama. Ils n'ont pas les mêmes fréquences. C'est une question de fréquence. Donc, quand tu captes la fréquence Sud-Mandama, radio Sud-Mandama, tu es sur Sud-Mandama. C'est comme ça. Donc, eux, pour ta voix, ils vont dans ta région et dans ton village précisément, parce qu'ils ont toutes ces informations. Et à partir de ta famille, ils captent ta fréquence. Donc, ils sont déjà de ta famille, puis ils projettent sur toi. De ta famille, ils sont sur toi. Quand ils disent que je l'ai vu, j'ai parlé. Non, c'est la fréquence. Depuis le village, ils ont l'information. C'est pour ça que quand nous rentrons dans un village pour prier pour une famille, nous détruisons tout ça. La science, vous voyez là, la sorcellerie, c'est une science occulte.
Ils ont portable là-bas. Ils ont tout ce qu'ils nous font. Caméra, pourquoi dire qu'on a mis caméra sur lui? Ils ont tout. Et tout, et tout. Ils ont avion, ils ont tout. Tout ce qui se passe dans ça. Le système de communication, c'est le plus puissant en système de communication. Ils sont les plus puissants en système de renseignement. Ils ont plus d'informations que toi. Toi, tu te caches. Non, il y a eu un nouveau travail. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Oh, toi, tu t'amuses. Ils sont déjà au courant. Tu te caches. Non, tu es dit là. Oh. Ça, c'est rien. Ils sont déjà au courant de tout et tout. Ils se font oublier un moment. Parce que tu, non, si ils se font oublier, tu as peut-être travaillé. Mais là, ça ne va pas te suffire. Amen. Amen. Voilà, nous sommes révoltés qu'on associe. On vous montre tous les secrets parce qu'on travaille avec eux. Quand il y a des anges aimés, c'est-à-dire quand on les délivre, les uns sorciers, ils sont là. Et puis je suis là, Dieu me montre toutes les techniques, comment les détruire. Chaque jour que Dieu fait, ils viennent m'attaquer, mais ils ne peuvent rien contre moi. Amen. Non, moi, sorcier ne me dit rien. Ils n'ont qu'à de vin dans la maison, moi, je dors. Celui qui va vouloir me manger, il a carie. S'il veut continuer, il veut manger, il a cancer de bouche. Ben, je ne suis pas fait pour manger. Voilà, je suis un oint de Dieu. Amen. Non, moi, je ne suis pas sorcier. Je peux t'aider, mais si tu veux manger, il y a viande. Boukari, ils vendent les boucher. C'est un boucher. Ils vendent viande au marché de Divo. Va là-bas. Tu achètes, c'est pour 2 000. Si tu veux acheter 10 000, tu as bien mangé, tu sèches un peu, tu manges, foufou. Mais tu achètes l'homme, tu guettes. Tu ne l'as pas eu aujourd'hui. Mais ouais, quand j'ai étudié leur manière d'attaquer l'homme, mais non, ça me révolte. Ils t'ont lipo, je dis non. Mais demain, ils viennent te guetter pour t'attraper. L'homme! Que Dieu nous aide, amen. On coupe la vidéo.